Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série Survie au carré. Et je me retrouve avec Slim99 qui est là. Et je lag un petit peu. Hey. Alors il faut qu'on vous explique un petit peu le principe de la série. Donc ça va être une survie en 1.7.2. Toute simple. Et le but va être de survivre. Et arrête de me frapper s'il te plaît. Oh. Et donc moi je lag à mort à cause de Fraps. Donc ne vous étonnez pas si on a du niveau, moi je suis niveau 7 par exemple. C'est parce qu'on a préparé le serveur avant, on a mis tous les réglages. Et donc voilà. Il y a eu quelques réglages. Par exemple, nous avons mis un keep inventory. Aïe. Ah non, c'est moi qui t'ai frappé. Un keep inventory qui nous permettra de garder l'inventaire une fois mort. On va falloir chercher du bois par contre. Hein. C'est une bonne idée. C'est le principe de la survie au début. Punchy en plus, on a de la pierre ici. Oh, mais tu viens ici, mouton, là. Oh. Qu'est-ce que t'as contre les moutons? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Rien. Hop. Du bois, du bon bois. Mmh. Ah ben je l'ai récolté en fait. Je l'avais pas entendu. En fait, quand tu finis de casser le bois, tu laisses le feuillage. Pourquoi? Et après tu y retournes. Ben t'as plus de chances d'avoir des pommes et des pousses. T'es sûr que c'est en 1.7.2 ça? Ouais je crois. Mais pour avoir les pousses, de toute façon, il faut. Mais ça se détruit au fur et à mesure tout seul. Le feuillage se détruit au fur et à mesure. Alors oui, j'ai un skin de Steve. Parce que tout simplement, je n'ai pas autre chose. Le noob style. Exactement. Je n'arrive pas à mettre un skin tout seul. Voilà. Tiens, il y a un atelier ici. On fera la maison autour. Hop. C'est une bonne idée. Je vais chercher d'autres bois. Direct des planches. Donc, on va se faire... Oh, j'aurais dû me faire une pioche. Ça aurait été une bonne idée. Je vais commencer par me faire une pioche et une épée, en fait, là. Nous sommes en difficulté normale. Hein. On augmentera peut-être la difficulté au fur et à mesure des épisodes. Mais... on n'est pas très bon. Voilà, disons ça. Pour pas dire qu'on est des grosses merdes. Bon. Qui a dit ça? Okay. Je sais pas. Allez, on va commencer par du charbon parce que c'est juste à côté. Ah oui, du charbon, ça peut être utile. Bah pour faire cuire déjà. Pour les torches. Hop. Je vais faire une petite pioche pour aller plus vite. Une petite pioche, une hache, pardon. Hop. Et de la cobble aussi. Les épisodes dureront en moyenne un quart d'heure parce que après sinon c'est un petit peu long à uploader, donc on tournera souvent les épisodes à la suite. C'est plus pratique, donc on ne lira pas forcément vos commentaires entre deux épisodes. Dommage. Bon. Ah, il y a du feuillage qui s'enlève tout seul, en fait. Et c'est ce que je te dis. Ah, d'accord. Et en fait, le fait qu'il tombe tout seul... Ah oui, une pomme, là. ...t'as plus chance d'avoir des pousses et des pommes. Ah oui, d'accord. J'ai compris, maintenant. Je croyais qu'il fallait les casser ensuite. Ah, ben, il y a un mouton, là-bas. Il lui a fallu du temps pour comprendre. C'est bon, hein. Hop. T'as combien de laine, toi? Une. J'en ai trois. On a de quoi faire un lit. Ça va pas être assez. Non. Ah si, t'as lit. Ouais. Ben, il en faut deux de plus alors si t'en as trois. En fait, t'as de la cobble sur toi? Non. Ok, ben, je fais la cobble alors. Ben, fais-toi une pioche et vas-y. Ben, j'ai déjà ma pioche vu que je t'ai dit que je ramassais du charbon. Ah oui, c'est pas faux. Je ne suis pas très attentif.
Alors ne vous étonnez pas si on va pas, si on voit pas loin, mais parce que j'ai baissé les chunks pour éviter que ça lag. Même si ça lag. C'est déjà mieux. Ah, il va falloir faire un coffre aussi. Ouais. Je vais en faire un tout de suite. Juste. C'est combien de cobble qu'il faut pour faire un four? Hop, le coffre de l'à côté. Je commence la maison. Sommaire. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, c'est bon, j'ai assez pour faire un four. T'as de la bouffe sur toi? J'ai une pomme. Ouais, non, mais ça m'intéresse pas. Mais sinon, non. Je peux aller faire du poulet et... J'ai... Ah, si, il y avait un cochon là-bas tout à l'heure. Oui, je l'ai eu encore. Il y a encore. Hop. Je te pose des planches là dans le coffre, des pierres, des bâtons. Et autre truc qui me servent pas pour l'instant. Hop, hop, hop. Une place pour la porte. Il faut aller rechercher du bois en fait. J'ai fait la maison un petit peu trop grande. Et tiens, t'as, t'as des planches dans le coffre. Ah, thanks. Je vais tuer tout ce que je vois. Sympa. Que t'ont-ils fait? Génocide. C'est des planches de sapin ou... Bah, de toute façon, je sais pas. Mais bah, c'est écrit de toute façon quand tu vas dessus. Bah, je suis pas allé voir encore en fait. C'est juste que comme la maison sera en planches de sapin, autant que ça soit joli, hein, même si notre maison va ressembler à un cube. On l'améliorera au fil et à mesure. Ça, c'est bien dans le thème de Minecraft au moins. Lol. Ah, les blagues de merde, ça va fuser là. Ouais. Hop. Ouh. Allez. J'ai pas vu de cochon, mais bon, j'ai fait un génocide de poulet pour l'instant. Oh, une pomme. Ah, mes souhaits. Alors. Bon. Oh, intéressant. Il y a un champignon géant là-bas. Ah, j'ai plus de bois. Alors, coffre. C'est des planches de sapin, c'est parfait. Il y a plein de cavernes par contre par ici. Ce qui est cool, c'est que je commence à avoir pas mal d'œufs. Et on pourra peut-être avoir nos propres poulets si on fait des enclos. Hop. Bon, alors. Putain, faut déjà que je bouffe. Voilà. Il va falloir que j'aille chercher. Ou alors je fais le toit en planche autre. Ouais, non, je cherchais du sapin. Pauvre poulet. Je t'ai vu massacrer ce poulet sans scrupule. Oui. Hop. J'ai un cochon, j'en ai rien à foutre. Tu l'as tué le cochon, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Bah, il était... Mais j'ai pas où il était, moi. Il est sur les pierres, là-bas, à droite de la maison, quand tu ressors de la maison. Bah, avec mes chunks pourris, okay. je l'ai vu. Oui, il est là-bas. Bon, je vais le faire. Ok, j'y vais. Non, mais j'y vais, c'est bon. Je suis parti. Ah bah tiens, il y a un autre cochon là-bas qui vole en l'air, donc à mon avis tout n'est pas affiché. Ah bah d'ailleurs t'as des poulets aussi. Hop. Ah mais il a rien looté. Ah c'est con. Ah le cochon il est dans l'arbre là-haut. What? Ah il y a de la lave. Oh. Ouais je vois ça. Vas-y je vais aller chercher ce cochon là-bas. Et la nuit tombe. Oui. Déjà? Oh merde. On voit qu'il y a des arbres qui ont brûlé par ici. Ouais, c'est pour ça que je me demandais pourquoi les arbres avaient brûlé et j'ai vu la lave. Hop. Ah, peut-être falloir... T'as du charbon au moins? Oui, je les ai déposés dans le... Ah d'accord, et il va falloir faire des torches. Non, c'est pas ça. C'est ça. What?
Ben reviens à la maison. Ouais, attends, fais des torches. C'est parti, je reviens. De toute façon, j'en ai vu d'autres là, des du charbon sur la route. On va se terrer. Ici, il y en a beaucoup. De toute façon, le charbon, c'est très facile à trouver. Bon, de toute façon, on va définir le spawn point dans la maison. Merde, il y a trois. Il y a combien de naines déjà? On en a quatre en tout. Merde, on va pas pouvoir dormir cette nuit. Ouais. Bon, alors, on va poser tout ce qu'on a. Charbon. Laisse-en un petit peu, s'il te plaît. Ouais, mais j'ai juste tout pris et je fais quelques torches. On va en faire 8, ça devrait suffire. Hop. Je te remets le charbon, le bois. Il y a juste le charbon qui me passe. Voilà, voilà. Les torches. Ah, ça éclaire déjà. Oui, le four. Voilà. C'est déjà mieux, ouais. Comme ça. T'as pris de la pierre. Tu fais de la pierre, effectivement. Je vais faire une épée en pierre. Donc c'est à nuit. Hop. Bon. Encore une coquette au four. Voilà. Et maintenant, le poulet. Il y a déjà un Enderman. Ouais, non, mais va pas t'y frotter. Parce que... Ah, de toute façon, ça va être la fin de l'épisode. Donc, on vous retrouve pour la nuit. Dans le prochain épisode, qu'on va sûrement tourner tout de suite. À bientôt pour l'épisode 2.